Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une rétrospective de ce projet Nextcloud qu'on a mené à l'Université de Lorraine. Alors, on revient en France, on revient en Lorraine, qui est en haut à droite de la France. C'est un peu moins sexy que les États-Unis, mais on fait des trucs quand même. Et donc, 10 ans d'échecs et de succès sur ce projet Nextcloud. Vous allez voir les années en haut qui vont vous permettre de vous repérer sur la ligne temporelle. Tout a commencé en 2013 par un premier mail. Alors, une image vaut mieux qu'un long discours. Donc, j'ai mis cette image-là. Cette image-là, elle nous montre plein de choses. Elle nous montre que à deux ou trois jours près, ça fait vraiment 10 ans jour pour jour, puisque c'était le 7 mai 2013, que tout a commencé. On voit que j'ai eu une excellente gestion de mes mails, puisque j'arrive à retrouver 10 ans en arrière tous les mails que je veux, avec une utilisation de quota que vous pouvez voir en haut à droite, qui est de 10%. Donc je peux vous donner plusieurs astuces de gestion de mail. Ce qu'on peut voir, c'est que tout a commencé par Sébastien Morosi, c'est mon sous-directeur des infra, qui nous avait envoyé ce mail-là en disant « La question d'un service UL Dropbox-like a été évoquée, ça serait bien qu'on regarde à l'infra. » Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que Sébastien Morosi, 10 ans plus tard, il a toujours le même poste. Donc c'est pour dire à quel point c'est un excellent sous-directeur. Je suis filmé, donc je sais qu'il m'entendra. Entre-temps, il y avait mon chef qui avait répondu, qui s'appelle Vincent, je passe. Et moi, j'avais répondu à ça. Donc, j'avais dit, ben, on en parlait avec Julien, justement, qui est ici aussi. J'ai mis ça en place chez moi sur mon serveur perso. On en parle lundi. Moi, ça m'intéresserait bien de mettre un truc comme ça en place à l'UL avec un smiley comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ce mail-là, il a été envoyé le 7 mai. Donc, c'était un dimanche, le 7 mai 2013. Donc, on voit que je répondais à mes mails le dimanche, il y a 10 ans. Je lisais mes mails, j'y répondais. Et j'étais hyper motivé parce que je demandais le boulot il y a 13 ans. Vous voyez, je faisais des smileys, je voudrais bien ce projet-là et tout ça. Et ça, ça a vachement changé. Je m'en suis rendu compte maintenant quand j'ai relu ce mail-là, puisque maintenant, on me donne un projet. Au mieux, j'essaye de le refiler à mes collègues. Et au pire, je le fais, mais avec un smiley plutôt dans l'autre sens, quoi. Donc, voilà, il y a 10 ans, c'était comme ça. Ceci dit, il y a 10 ans, j'étais là. Je suis toujours là 10 ans plus tard. Donc, comme mon sous-directeur, on appliquera les mêmes conclusions. On passe à l'année suivante. Alors l'Université de Lorraine, c'est 60 laboratoires et en 2014, il y a eu un projet qui s'appelait Numilab qui avait pour objectif de recueillir les besoins numériques de tous nos laboratoires. Donc nos quatre sous-directeurs de la direction du numérique se sont déplacés dans les 60 laboratoires pour aller d'une part recueillir leurs besoins numériques, d'autre part faire la promotion des outils de la direction du numérique et finalement de voir aussi ce qu'ils faisaient actuellement dans les laboratoires. On est ressorti plusieurs projets, des besoins qui n'étaient pas couverts par l'ADN à l'époque, qui le sont depuis. Donc le projet IAS, qui permet de fournir de l'infrastructure as a service pour la recherche. Maintenant, c'est 320 machines virtuelles, donc c'est un service qui marche très très bien. Le projet PETA, CEF, alors c'était la possibilité d'avoir du stockage massif distribué, pas cher, pour stocker les données de la recherche. Aujourd'hui, on a 2,7 pétaoctets de disques pour ça. C'est un truc de fou, 2,7 pétaoctets, ça fait 2 900 000 gigas dans le cadre de ce projet-là. Donc on a de la place maintenant. On a mis en place un catalogue des services, on l'a formalisé au niveau de la direction du numérique, on l'a publié sur notre site, donc accessible pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants. L'établissement a fait le choix de HAL pour le dépôt des publications. Et enfin, ce besoin-là, le dernier besoin a été remonté à plusieurs reprises, c'est-à-dire disposer d'une application de stockage et de partage de documents pour ne plus déposer ces documents chez Dropbox ou Google Drive. Hein, ça rejoignait un peu le mail de mon sous-directeur d'avant. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En 2014, alors un comparatif rapide des solutions qui existaient, il y en avait 4 qui étaient sérieuses, C-File, Pidio, SparkleShare et OwnCloud. J'ai mis juste en rouge les éléments qui étaient discriminants. Donc SparkleShare ne disposait pas d'interface web, Pidio ne disposait pas d'accès hors ligne, et enfin C-File ne permettait pas le passage à l'échelle. Ça a changé maintenant, C-File passe très bien le passage à l'échelle, mais il coûte vraiment extrêmement cher. Et donc on est content de ne pas avoir fait ce choix-là à l'époque. On s'est tourné donc vers OwnCloud qui cochait toutes les cases. En plus, c'était du PHP, c'était un langage que je maîtrisais. Et il y avait de l'authentification CAS qui était possible grâce au développement d'un plugin de Aix-Marseille qui nous a été donné. Donc voilà, on a choisi OwnCloud pour ce projet-là. Alors voici l'infrastructure qu'on a mis en place. C'est une infrastructure très basique avec un frontal web qui renvoie les requêtes sur deux workers. Alors ça s'appelle des workers, c'est là-dessus en violet où il y a le code en fait de OwnCloud.
qui sont chacun branchés sur une base de données et un serveur NFS qui lui-même est relié à un stockage SAN qu'on avait évalué, on était très ambitieux à l'époque, à 10 Tera. Des toutes petites machines, une infrastructure très classique que tout le monde a dans ses établissements. Le planning d'ouverture, c'était celui-ci en 2014. Donc on a ouvert le service à l'ensemble de la direction du numérique en septembre 2014, c'est-à-dire 250 personnes. On a essuyé les plâtres pendant quelques mois. Et après, à partir de décembre, dès qu'une personne demandait à bénéficier du service, on l'ouvrait pour lui, ainsi que toute sa composante ou tout son laboratoire. Donc de cette manière, on a ouvert progressivement sur 6 mois le service, pour au final, en juillet 2015, l'ouvrir à tout le personnel, pas aux étudiants, hein, donc tout le personnel, ce qui correspondait malgré tout à 17 000 personnes potentiellement chez nous. On a également créé une identité graphique pour l'ouverture de ce service-là, grâce aux graphistes de la direction du numérique. Donc vous voyez, il y a eu des beaux schémas, des icônes, des favicônes, etc. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé le nom aussi. Donc ça a été Box UL, qu'on a appelé Bulle, et qui est resté. Alors moi j'avais suggéré un autre nom, c'était Cloud UL, mais à cause de des raisons évidentes, ça n'a pas été décidé au-dessus. Et c'est super dommage parce qu'en plus on avait développé une application de gestion qu'on avait appelée Danton, en référence au ministère de la Justice pendant la Révolution française. Et malheureusement, ces deux noms-là ont été retoqués, donc on est resté sur BoxUL, Bulle, qui perdure encore aujourd'hui. Alors en 2015, c'est là qu'a commencé les problèmes, puisque c'est là qu'on a ouvert le service. Et les deux gros types de problèmes pour ce service-là, en fait, c'était que, d'une part, les informaticiens de proximité avaient du mal à faire la différence entre un problème qui relevait du client et un problème qui relevait du serveur. Donc leur réflexe, c'était de tout nous envoyer, enfin nous, c'est-à-dire moi, en fait, là ils sont trois, mais moi j'étais tout seul. J'étais pas aussi bien appuyé, mais juste je faisais la même tête et je traitais tous les tickets. Donc difficile parce qu'à l'époque on n'avait pas les solutions d'assistance à distance, etc. Donc il fallait téléphoner aux gens, dire qu'est-ce que vous voyez, faites-moi une capture d'écran. Voilà comment on fait une capture d'écran, envoyez-la par mail, enfin bref. C'était vraiment super compliqué, c'était très chronophage, c'était une tannée quoi. Et le deuxième problème qui est très vite arrivé, c'est que les gens, en fait, malgré tout l'outil plaisait, et les gens ont commencé à créer des dossiers pour leur direction, pour leur travail de groupe. Ce qui fait qu'ils prenaient sur leur quota personnel, donc tout le monde avait 10 gigas, c'était non négociable, non modifiable, et très vite, on avait les gens qui disaient « oui, moi je suis directeur de machin, j'ai partagé mon dossier de direction avec tous mes collaborateurs, ils ont blindé le dossier, j'ai plus de place pour mes dossiers perso dans la bulle et on n'a plus de place pour mon dossier, donc augmentez-moi le quota ». Donc la réponse étant toujours non systématiquement, il fallait être un peu diplomate et dire « peut-être partagez votre dossier en deux » ou « bref, c'était hyper compliqué ». De gérer un peu tout ça, de devoir dire non tout le temps, mais avec les formes qui allaient bien. Et puis comme si ce n'était pas suffisant, on a un collègue qui avait eu la bonne idée de taper ce genre de commande. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les commandes Unix, cette commande-là, ça signifie format C2. Donc c'est-à-dire on efface tout. Donc la bonne idée qu'il a eue en se levant, c'est qu'il s'est dit je ne vais pas effacer le code, parce que ça serait trop simple, on récupère le code et puis ça va. Non, je vais effacer toutes les données, donc tous les teras qu'il y a, il y avait plusieurs dizaines de milliers de documents qui étaient déjà sur ce service, je les efface. Alors ça a été formateur, pourquoi ? Ça a été formateur parce que du coup on s'est rendu compte que notre solution de sauvegarde, restauration, elle ne permettait pas de restaurer plusieurs teras de données en fait. On pouvait restaurer que tranche par tranche, donc on devait faire de A à B, et puis après de C à D, et puis après de D à F, et bien, c'était insupportable, on a mis des heures et des heures pour réparer cette mauvaise idée de mon collègue, qui est toujours présent lui aussi, disons plus tard, dans la même équipe. Donc en 2016, on avance un petit peu, toujours la nécessité de cet espace collaboratif, de cette gestion d'espace collaboratif. La bulle, ça fonctionnait bien, mais ça prenait sur les quotas individuels, je vous l'ai dit. Donc c'est là que la SIED, donc ça c'est nos deux sous-directions parmi les quatre de la direction du numérique. SIED, c'est Système d'information, études et développement, dont dépend Céline et Benjamin qui sont intervenus hier. Ils sont venus nous voir à l'infra en nous disant, nous on va commencer un truc aussi de notre côté avec Nuxeo Drive. Nuxeo Drive, en fait, on utilisait déjà Nuxeo depuis 2 ans chez nous. A priori, fonctionnellement, ça faisait l'affaire. Alors c'est moi qui l'administre aussi, Nuxeo.
Et Nuxeo dispose d'un petit plugin là comme ça qui s'appelle Nuxeo Drive, qui permet en fait de faire la même chose qu'un OwnCloud, c'est-à-dire garder une synchro entre un dossier sur l'ordi et puis le serveur Nuxeo, quoi. Donc ça avait été testé en 2016 pour au début uniquement le Drive, et ensuite en juin 2016 le développement d'une application au-dessus. L'objectif c'était qu'un utilisateur vienne sur l'application, crée un espace de travail collaboratif, ce qui crée un espace dans Nuxeo et qui par l'intermédiaire du Nuxeo Drive permettent de synchroniser les données entre plusieurs personnes. Un an plus tard, entre 6 et 6 mois et un an plus tard, la solution avait été donnée à des fonctionnels pour des tests intensifs. Elle n'a pas du tout satisfait aux besoins parce qu'elle apportait beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Il y avait énormément de problèmes de synchronisation qui ne marchaient pas, des fusions qui arrivaient comme ça sans qu'on sache pourquoi. Donc la solution a été écartée. Je fais une petite parenthèse puisqu'on est en 2017. C'est là qu'est apparu le besoin, ou plutôt la formalisation du besoin des invités numériques. Quand un utilisateur crée un espace dans Nuxeo Drive, il avait besoin d'inviter ses collaborateurs de l'Université de Lorraine, mais aussi des collaborateurs externes. Et ça, nous, on ne voulait pas créer des comptes locaux dans Nuxeo. Par ailleurs, on avait des besoins similaires dans nos autres plateformes, dans Moodle par exemple. Donc on s'est dit, pour ne pas créer des comptes locaux dans chaque application, on va créer des comptes d'invités numériques dans notre système d'information. L'application a donc été développée, alors je vous la montre comme ça, histoire d'eux. N'importe quel personnel de l'Université de Lorraine peut accéder à cette page-là d'invité numérique. Il peut inviter une personne en renseignant uniquement son adresse mail et le motif de l'invitation, ainsi qu'une durée de validité du compte, qui est obligatoire. La personne va compléter ses informations, son nom, son prénom, sa date de naissance, et ça crée ainsi un login dans notre SI, qui peut par la suite être ajouté dans nos autres applications, mais voilà, indépendamment de chaque application. Le tuteur ou le responsable ou celui qui a invité cet invité numérique dispose de cette vue ensuite qui permet de voir quels sont les invités encore présents. Il peut supprimer son compte, il peut prolonger son compte, il peut voir également l'historique de ses connexions. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un workflow pour les invités numériques qui est plutôt bien pensé. Alors on continue en 2018. 2018, on a exclu Nuxeo Drive, sauf que les gens ils continuaient à toquer à la porte, parfois de manière très virulente, comme l'indique cette image-là, en nous disant « oui, la bulle, c'est pas assez, 10 gigas, c'est pas assez, il y en a marre ». Donc moi, j'étais comme le gars, là, au bout de ma vie, pendant toute l'année-là. Nos bureaux sont un tout petit peu plus propres en Lorraine, mais en tout cas, l'état d'esprit était le même que celui-là. Donc on s'est dit « il faut qu'on trouve quelque chose ». Et ça tombait bien, puisque à ce moment-là, il y a plein de gens de chez OwnCloud en fait, qui étaient partis avec le code source sous le bras et qui avaient fait un clone, un fork qui s'appelle Nextcloud, qui était mieux maintenu, plus beau, plus propre, etc. Donc on s'est dit, bah, écoute, on va installer une plateforme à côté, indépendante, qu'on va appeler EDC pour espace de collaboration. Et on va, comme Nuxeo Drive ça n'a pas marché, on va essayer avec Nextcloud, qui était donc différent de OwnCloud pour la bulle. C'est ce qu'on a fait alors en 2018. On a installé EDC, Nextcloud, sur lequel on a pu installer, c'était nouveau, OnlyOffice. Donc OnlyOffice, c'est un outil qui permet d'éditer les documents bureautiques en simultané et en temps réel. Et donc ça, ça a plu tout de suite. L'interface était beaucoup plus belle que la bulle, donc les gens ont tout de suite adhéré. Donc voici l'infrastructure qui a été montée, qui était parallèle, hein, je rappelle, à celle de la bulle, mais qui était très similaire. Juste, on a ajouté deux frontaux pour avoir un peu de failover et puis de tolérance de panne et donc de répartition de charge. Et on a ajouté un worker en dessous, donc il y a eu trois workers. Sinon, tout le reste, c'était la même chose. Ça restait des petites machines, voilà, très classiques. Et donc, en même temps, cette application PHP là, de tout à l'heure, elle a été redéveloppée pour coller à Nextcloud. Donc, c'est une application qu'on a appelée GEC, Gestion des espaces collaboratifs, et qui a pour but de permettre à n'importe quel personnel de l'établissement de créer un espace. Donc ici, on a la vue des espaces de quelqu'un, les miens en l'occurrence. Et n'importe qui, en bas à droite, n'importe quel personnel peut créer un nouvel espace. Donc ici, j'ai fait l'essai, donc créer un nouvel espace que j'ai appelé démo-xir. Je mets une description et surtout, je mets une date d'expiration. C'est obligatoire, de la même manière, pour ne pas laisser traîner des espaces collaboratifs. On met une date d'expiration qui est un an maximum. Donc après, on peut reprolonger autant de fois qu'on veut, mais c'est toujours d'un an maximum.
En faisant ça, ça va nous générer un identifiant, EDC-DEMO-XIR, et on peut cocher en même temps d'associer une liste de diffusion. En faisant ça, JEC va créer un espace sur EDC, donc sur Nextcloud, qui va appeler EDC-DEMO-XIR, qui est vraiment un compte local là pour le coup, et il va créer une liste de diffusion du même nom si besoin. Ensuite, dans JEC, on va ajouter des collaborateurs à l'espace de travail. Donc on peut rechercher parmi les personnels, les étudiants, mais également inviter des invités numériques en bas, donc c'est pour ça que j'ai reparlé tout à l'heure. Et on peut les ajouter avec deux types de droits, soit lecture-écriture ou soit lecture seule. En faisant ça, ça va créer automatiquement les partages dans EDC aux personnes mentionnées, ça va ajouter les gens aux listes de diffusion, ça va les retirer, bref, ça va les garder synchronisés. On n'a plus qu'un seul référentiel pour l'espace de travail. Les personnes inscrites reçoivent ce genre de mail-là. Vous avez été ajouté comme contributeur à l'espace. Voici où il se trouve. Donc ça renvoyait vers EDC, là où il voyait l'intégralité des EDC auxquels il était abonné. Et puis ça mettait un lien vers le helpdesk, etc., etc. Donc l'application a bien marché, elle a bien plu, ça fonctionnait très bien. Et en 2019, les gens ont commencé à se plaindre très rapidement. Enfin, de toute façon, ils se plaignent tout le temps. Donc ils disaient, bah oui, mais on a la bulle qui est pleine de poussière et tout, on peut rien faire dedans. Et là, on a un DC tout beau, tout neuf, qui sent bon la peinture fraîche. Comment je fais, quoi? Donc on a eu des tonnes de gens qui ont créé des espaces collaboratifs à leur nom uniquement à eux. Donc genre EDC-Séclier5. Juste pour en fait accéder au service Nextcloud et bénéficier de l'interface Bell avec OnlyOffice, etc. Donc on s'est dit à ce moment, donc la tête là, parce que les gens ils nous disaient oui, on a deux plateformes, comment on fait, comment on sait, qu'est-ce qu'on met où, les gens ils sont perdus, c'est deux URL différentes et tout. Donc pareil, beaucoup de pédagogie à faire, super chronophage et tout, enfin bref. Donc à ce moment-là, on s'est dit, il va falloir un jour qu'on fusionne les deux services. On n'avait aucune idée de comment on allait pouvoir faire, on ne pensait pas que ça serait possible. Donc on s'est dit, on va faire appel au support. C'est que, vous le savez tous, plus un support est cher, plus il est compétent dans les applications comme ça. Quand on a regardé les tarifs du support Nextcloud, on s'est dit, on ne trouvera pas meilleur en fait que Nextcloud en termes de support. Donc on a pris un an de support chez eux, dans l'objectif de cette fusion, mais d'autres bugs qu'on avait chez nous qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et à chaque fois, pendant toute l'année qu'on a eu le support, on a eu toujours des fins de non-recevoir. À chaque coup qu'on exposait nos problèmes, c'était « c'est pas possible, désolé, c'est pas dans la version, on vous recontactera quand on l'aura implémenté. Ah ben non, vous essayez de faire un truc qui n'est pas possible. » On n'a jamais eu aucune réponse positive. Donc on a décidé de ne pas reconduire le support et rester comme ça en 2019. Alors on arrive en 2020, je vous rappelle un peu le contexte, on a une vieille bulle qui est ici et on a un nouveau EDC qui est ici. On s'est dit, bon, à défaut d'avoir deux plateformes différentes, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient au moins au même niveau technologique. Donc, c'est-à-dire on avait un Nextcloud 17 là pour EDC et on avait un OnCloud 9 là pour la bulle. À cette époque-là, donc en janvier 2020, OnCloud 9 il n'était plus maintenu depuis 2016 déjà. Donc là, maintenant, j'en parle parce qu'il y a prescription, mais on avait 4 ans de retard sur des centaines de milliers de documents hypersensibles. Donc heureusement que je ne bossais pas chez Brigitte, parce que je me serais pris des sacrés coups de pied aux fesses, vu les retours qu'on a eus hier. Et donc on s'est dit, bon, on n'a rien dit à personne jusque-là, mais là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Pour un peu vous resituer, voir un peu l'ampleur du boulot à faire, si on fait un parallèle avec Microsoft, la bulle, on était en Windows 3.1 et on devait passer en Windows 11 en une journée, avec des centaines de milliers de documents à maintenir et à faire fonctionner, quoi. Donc, on a réussi à faire ça. J'ai retrouvé les logs de notre application d'état des services numériques. Donc, on a coupé le service à 7h45 et on a rouvert le service à 15h43 après avoir passé toutes ces versions majeures. On était obligé de les passer une par une sans aucune perte de documents. Voilà, donc c'était un sacré boulot. Alors j'étais plus tout seul à ce moment-là, on m'avait collé deux collègues qui étaient bien plus compétents que moi, ce qui a expliqué pourquoi en janvier 2020 on s'y est mis. Mais voilà, on a réussi. Je voulais illustrer un peu l'état d'esprit de la fin de la journée par une image que j'avais en tête depuis super longtemps, c'est celle-ci. Donc c'est une image, en fait, c'était l'image de l'année du National Geographic en 1987, qui montre un médecin qui est en train de surveiller les signes vitaux d'un patient après 24 heures d'opération de cardiaque.
Je me dis, bon, je vais ajouter un petit peu de contexte à cette image pour que les gens comprennent. Donc mes deux collègues, vachement plus compétents que moi, moi en PLS là-bas au fond de la salle, et mon application là avec les vieux restes qu'on avait réussi à dégager, quoi. Et puis en fait, en faisant cette image-là, je me suis dit, tu vas un peu fort quand même, tu compares un gars qui a fait 24 heures d'opération à une mise à jour d'une appli PHP MySQL. Donc finalement, je vais pas mettre cette image-là dans ma présentation, je dis c'est un peu trop prétentieux, quoi. Donc les gains liés à la mise à jour qu'on a eu, on n'a pas fait tout ce boulot-là pour rien. On est passé de 10 gigas à 20 gigas de quota par utilisateur, parce qu'en plus de faire ce changement de version, de OnCloud vers NextCloud, on a changé notre manière de stocker les documents. On est passé sur du stockage safe, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on a pu ouvrir les vannes, tout le monde était content. On a pu également ajouter OnlyOffice, donc ça, tout le monde était super content. On a ajouté le versioning qui permettait aux gens de récupérer des vieilles versions du document, de les restaurer, ce qu'on avait désactivé dans la bulle initialement. Et les deux derniers points, j'y viendrai dans 5 minutes, accès simplifié aux documents et activité en base de données. Donc tout n'était pas tout beau tout rose quand même en 2020, il faut bien le dire, en fin d'année, on a perdu pas mal de documents, puisque, alors là c'est de notre faute, on a fait une mise à jour OnlyOffice. Donc le fonctionnement d'OnlyOffice, en fait, il n'y a pas OnlyOffice dans Nextcloud, hein, c'est vraiment deux applications complètement différentes, donc qui est intégré visuellement, mais quand on clique sur un document dans Nextcloud, ça va en fait ouvrir OnlyOffice. OnlyOffice va chercher le document dans Nextcloud, on travaille dans OnlyOffice, et une fois que tous les gens sont partis du document, OnlyOffice renvoie à Nextcloud. Mais on ne travaille pas directement dans le document Nextcloud. Et nous, ça, on le savait, mais on a un peu oublié lors de la mise à jour du mois de décembre, et on a coupé en fait OnlyOffice. Et tous les gens qui étaient encore sur des documents qui n'avaient pas eu le temps d'être renvoyés ont perdu en fait leurs documents. Donc ça représentait une cinquantaine de documents. Ça paraît peu comme ça, mais quand on voyait les tickets le mardi matin, on était fou. Et puis les tickets commençaient par « Oui, je suis enseignant-chercheur ». Donc quand ça commence comme ça, déjà on l'a compris. Et je ne sais pas pourquoi, on a eu un ratio mais incroyable d'enseignants-chercheurs qui travaillaient sur des documents archi-sensibles, machin, donc... Bon, la fin d'année, c'était pas ouf pour ce projet-là, quoi. C'était pas. Ouais. Alors, on arrive en 2021 maintenant. Toujours les gens qui disent, attends, là maintenant, vous avez une bulle, un EDC, c'est la même. Visuellement, c'est exactement la même chose. C'est le même Nextcloud. Vous avez qu'à mettre les deux, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Vous mettez l'un dans l'autre et puis c'est fini. Donc, sur le papier, c'était ça. Donc, il nous a fallu des mois quand même pour nous convaincre ou nous dire bon, bah, on va mettre le paquet, mais on va le faire, quoi, parce que là, c'est plus possible autrement. Donc, en gros, on avait trois possibilités. Soit on crée une troisième plateforme et on mettait les deux dedans, soit on mettait EDC dans la bulle, ou soit on mettait la bulle dans EDC. Voilà. Bon, beaucoup de problématiques de partage, de quotas, de machin, tout ça. En gros, ce qu'on a fait, pour faire très rapide, c'est qu'on a pris EDC et on l'a mis dans la bulle. Voilà. Chose qui était impossible à faire selon le support a priori. Donc voici l'interface à quoi elle ressemble maintenant. Donc ça, c'est une capture d'écran d'il y a quelques jours, donc c'est notre bulle telle qu'elle est maintenant. On voit en haut les dessins avec lesquels j'ai joué, donc c'est les derniers documents dont je vous parlais, donc ça c'est hyper pratique parce qu'on voit tout de suite les derniers documents sur lesquels on travaille. On voit tous mes dossiers personnels, individuels on va dire, et un dossier EDC. Donc ça c'est ce mode de fonctionnement là qu'on a adopté. Dès qu'une personne est inscrite dans un EDC, dans sa bulle, ça va lui afficher un dossier EDC qu'on pré-crée s'il n'existe pas, et ça va lui afficher ses EDC. Donc si on va dans le dossier EDC, on a bien la liste de tous les EDC auxquels on fait partie. Et on peut voir ici que la somme des EDC auxquels je fais partie fait 8,4 gigas. Ce qui est différent de mon quota qui lui est de 5,5 gigas utilisé. Donc là on voit bien une différence. Et donc maintenant on peut augmenter en fait au besoin individuellement les quotas. On a des EDC, par défaut on les provisionne à 2 gigas, 90% du temps ça suffit, mais on a certains EDC qui sont montés à 100 gigas et ça fonctionne très bien comme ça. Et puis ça, c'est l'autre onglet, en haut à gauche, c'est l'onglet activité. Alors j'ai reculé un peu la capture d'écran, c'est pas très lisible, mais... on voit instantanément toutes les actions qui se passent dans notre bulle, donc c'est-à-dire soit nos propres actions, soit les actions faites sur les dossiers partagés dans notre bulle, soit même toutes les actions faites dans tous les EDC dans lesquels on se trouve. Donc on voit les gens qui interagissent, on a la date précise, et on a l'action, modification, ajout, suppression.
Donc ça, on s'en était pas rendu compte avant de le découvrir, mais ça nous a vachement simplifié les choses au niveau support, parce qu'on a beaucoup de cas où un matin, quelqu'un se réveille, dit oui, ben, j'ai perdu tout ce qu'il y avait dans mes EDC, au secours, etc. Ben, maintenant, on leur dit, regardez dans votre fil d'activité, vous allez voir qui a supprimé les documents, vous le contactez, et lui-même, il pourra faire la restauration. Donc l'infrastructure actuelle, c'est celle-ci. On a gardé donc les deux frontaux HAProxy. On a mis 7 workers en place. On a gonflé toutes les machines. Vous voyez, on est passé à 6-6. Chacun est branché sur une base de données qui est aussi, qui a bien grossi. On a monté en compétences pendant le Covid sur la partie Moodle. Donc maintenant, on a bien géré cette partie-là. Et on n'est plus branché sur du serveur NFS, qui lui-même est branché sur du SAN, mais on est branché directement sur du stockage distribué, très, capacitif. En 2022, on a ajouté Draw.io. Donc Draw.io, c'est un peu comme Microsoft Visio ou DIA. Alors c'est pas du tout comparable les deux, mais chez Windows et chez Linux, c'est les applications les plus connues. Ça permet de faire des diagrammes en fait. Donc c'est le même principe de fonctionnement qu'OnlyOffice. C'est un truc qui tourne à côté chez nous, dans du Docker, et on le fait apparaître dans Nextcloud. Donc maintenant, les gens peuvent créer un diagramme et faire tout ça en clic souris. Ils peuvent faire du mind map. Bah, c'est une application qui est vachement bien, toute légère, qui consomme rien. Et c'est avec cette application que j'ai fait tous mes diagrammes. En 2022, toujours, on a ajouté d'autres services AGEC. Donc maintenant, quand on crée un espace collaboratif, on peut toujours le lier à une liste de diffusion, mais aussi on peut aussi le lier à un salon Rocket Chat qui va s'appeler EDC, tiré le nom de l'EDC, et le lier aussi à un projet Tulip. Donc Tulip, c'est un gestionnaire de projet libre en PHP. Et là, on est en train de changer notre système de wiki. On était sur Confluence qui est devenu trop cher, donc on passe à XWiki. Et on envisage aussi de l'inclure là-dedans, ce qui nous fera un beau bouquet en fait, d'outils collaboratifs qui sera géré uniquement par l'intermédiaire de GEC en termes d'accès et de membres inscrits et désinscrits. En 2023, on arrive à presque aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir la bulle aux étudiants. Donc grâce à des financements qu'on a eus par l'intermédiaire du projet Pléiade, qui est un appel à projet issu de démo ES, on a pu rajouter du stockage en dessous, payer des licences OnlyOffice qui nous permettent d'accueillir plus de gens. Et donc le mois dernier, on a ouvert à vraiment toute la population de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire 83 641 personnes potentielles. On n'a pas encore fait la publicité de ça, donc pour l'instant on n'a pas de montée massive, en plus ça va être la fin de l'année scolaire, mais en septembre on a prévu un plan de communication vraiment pour ouvrir ça à à toute la pédagogie, quoi. En 2023, alors ça c'est quelques chiffres au 3 mai, on a 2092 espaces collaboratifs. Depuis environ 2 ans, on frôle les 2000 espaces collaboratifs. On a 2000, 2100, 2200. Donc je vous rappelle qu'un espace collaboratif, il n'a qu'1 an de durée de vie, donc on n'a que les espaces actifs. Et là, je pense qu'on a atteint une moyenne de 2000 qui va rester a priori stable. On a un peu plus de 17 millions de fichiers pour 15 téraoctets de stockage. Et donc on a vu qu'il y a 7200 comptes différents qui ont accédé au service depuis le 1er janvier 2023. Alors quelques chiffres, bon c'est histoire d'eux, c'est des chiffres depuis le 1er janvier 2023 sur les accès à la bulle. Donc ça c'est toutes les pics des semaines en fait, hein. Et on voit qu'on a une moyenne de 1300 connexions par jour. Et ça c'est les chiffres OnlyOffice sur la même période temporelle. On voit que les unités sont différentes ici, donc on voit qu'on a une moyenne plutôt de 3500 connexions à OnlyOffice par jour. Pourquoi cette différence? Ben, ça veut dire qu'un utilisateur qui va aller sur la bulle, il va éditer deux fichiers OnlyOffice, donc ça fait deux accès. Mais OnlyOffice, on l'a également implémenté dans notre jet de Nuxeo, donc certains accès viennent aussi de là. Ça correspond à 250 000 accès. Et on a un petit compteur qui surveille le nombre de licences maximales. Donc en fait, le licensing OnlyOffice, c'est le nombre de connexions simultanées. Nous, on en a 400 jusqu'à présent. Là, on va le monter à 1000. Mais on surveille ça très attentivement parce qu'à la 401e, bah, il y a un pop-up et puis ça dit vous n'avez plus de licence, contactez votre administrateur système. Donc ce n'est pas très joli. Voilà d'autres chiffres que je vais passer, que vous pourrez retrouver sur le PDF si ça vous intéresse. Et je termine ma présentation en précisant que, donc, avec un collègue de Nantes Université, on a organisé une journée thématique Nextcloud qui aura lieu dans 1 mois, le 7 juin 2023. Donc, il y a plein de speakers super intéressants. Donc, vous voyez là, Aix-Marseille, Framasoft,
quand le ministère de l'Éducation nationale, nous, Gustave Eiffel, un orateur, Centre Val-de-Loire, un intégrateur. Et puis, pour la petite anecdote, je voulais finir là-dessus. Il y a 3 semaines ou 1 mois, il y a le directeur général France de Nextcloud qui m'appelle sur mon téléphone du boulot. Et il me dit « Ah bah salut, il me tutoie et tout, je le connaissais pas, ça m'a fait bizarre. Ah bah j'ai vu ce que tu organises, c'est trop bien et tout, si tu veux, je viens, si je peux avoir un slot, je parle, j'explique, tu me dis ce que tu veux que je dise, comment tu veux que j'axe ma présentation, et je le fais, pas de souci. » Bah je dis « Ouais, super, on peut faire ça. » Et puis il me dit « Si tu veux, il y a Franck Karliczek qui peut venir. » Donc je dis « Bah non, c'est un Allemand, moi je veux que des Français à ma journée thématique. » Ben, je veux que des Français, ça fait un peu drôle de dire ça. Je veux que des présentateurs francophones. Je dis que non, c'est bon, pas d'allemand, quoi. Et il me dira, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même le fondateur de Nextcloud, il peut venir à ses frais et tout. Donc bon, je ne savais pas en fait que c'était le fondateur et le CEO actuel de Nextcloud. Donc je lui dis, bon, allez, ok, d'accord, on veut bien faire un petit effort, vous ferez une presse commune si ça te va. Il me dit, ouais, ok, pas de souci. Donc voilà, donc, depuis, on est des super amis, comme l'illustre cette photographie-là. Et donc, s'il y a des gens chez vous qui font du Nextcloud, eh bien, invitez-les à venir. Ça sera sur Paris, ça sera le lendemain des E-Sub-D. C'est gratuit, ça sera bien, et voilà. Et donc, ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci, Benjamin. Alors, avez-vous quelques questions pour Benjamin ? Oui, juste une question. Est-ce que vous avez évalué en interne le coût global depuis le lancement du projet ? RH, matos, soft, licence ? Alors, aucune idée. Le coût RH, c'était juste moi pendant 5 ans. Et après sont intervenus quelques collègues développeurs, 2 autres collègues avec moi, tous IGE. Mais non, aucune idée de tout ça. Désolé. C'est pas, on s'en fiche, nous, ça coûte. On est administrateur système tout en bas, on parle pas d'argent. Tu as dit que Nextcloud était intégré directement dans Nuxeo. Pratiquement, ça se passe comment pour l'utilisateur de passer de l'un à l'autre C'est pas Nextcloud qu'on a intégré à Nuxeo, c'est OnlyOffice. Que OnlyOffice. Ouais. Les deux communiquent pas après Nextcloud, Nuxeo, il n'y a pas de pont Non. Ok. Dans Nuxeo, tu as un bouton supplémentaire quand tu es dans un document qui te permet de l'éditer en ligne avec d'autres personnes. Et puis quand tu le fermes, ça le renvoie dans Nuxeo, mais c'est pas du tout lié avec, avec Nextcloud. Ok. Ceci dit, c'est sur le même serveur que OnlyOffice, qui est unique. Donc si le serveur là, il tombe, là, ça communique bien. En fait, il n'y a plus personne qui fonctionne et sur Nuxeo et sur Nextcloud, en fait. Et ça tourne sur du Docker, c'est tout léger, c'est superbe. Un seul Docker, ouais. Pour OnlyOffice, ouais, c'est ça. Ouais, merci pour... Pardon. Merci pour la présentation. Et justement, la suite, selon toi, hein, le devenir de Nuxeo et du système que tu as mis avec Nextcloud, quel avenir pour les deux ? Nuxeo et Nextcloud, tu veux dire ? Pour les usagers, ça fait deux systèmes de stockage de fichiers. Est-ce que pour eux, c'est bien segmenté ? Ou est-ce qu'il y a une zone de flou encore dans l'usage ? Alors, pas du tout. Ouais, pas du tout sur ces deux plateformes-là. On a des zones de flou sur plein d'applications de stockage différentes, les Filers, les Nextcloud, les... Ça, oui. Mais il n'y a aucun lien entre notre Nuxeo, dans lequel il y a des workflows en fait, très précis. Par exemple, c'est juste pour la gestion des conventions, par exemple. Donc là, c'est dans Nuxeo, c'est une application dédiée dans Nuxeo, et Nextcloud, c'est pas du tout la partie, ça concerne pas du tout la même chose. Donc il peut y avoir du travail collaboratif sur n'importe quel sujet dans Nextcloud, mais dans Nuxeo, c'est vraiment des workflows bien précis qui ont été travaillés en amont plusieurs années, depuis donc presque 10 ans aussi, avec les fonctionnels, et donc il n'y a aucun problème entre Nuxeo et Nextcloud. Quant au futur... Mon Nuxeo, je l'administre depuis 10 ans, j'ai jamais aimé l'administrer. Je l'utilise aussi depuis 10 ans, j'ai jamais aimé l'utiliser. On est encore sur une vieille version. Alors, c'est encore trop tôt pour que je le dise d'ailleurs, ceci dit. On va bientôt mettre à jour Nuxeo, on va dire ça comme ça. Nextcloud, par contre, on est toujours en avance. On est en version 25, on était les premiers en passant en version 25.
Donc j'ai de très bons espoirs sur le développement du service Nuxeo, Nextcloud. Et par contre sur Nuxeo, j'ai un peu plus de réserves, mais je fais que la partie admin 6 sur Nuxeo, donc je vais m'arrêter là. Donc une toute dernière question. Nicolas Truchot, Université de Lorraine, de Saint-Etienne, pardon. Bientôt, bientôt. Non, non, pardon. C'était tellement convaincant. On le dira plus tard, Nicolas. Tu n'as pas parlé du client de synchronisation. Est-ce que vous l'avez mis en dehors de l'équation ? Ah non, alors effectivement, j'en ai pas parlé parce que pour moi, ça va de facto avec le service. Donc non, on l'a jamais mis en dehors de l'équation. Ça a toujours été la fonctionnalité principale de synchronisation sur les postes de travail. Donc on l'a toujours promu d'abord par cette fonctionnalité-là. Ok. Et EDC, vous le distribuez dans d'autres universités ? Enfin, vous le donnez ? Alors, tu veux dire... Alors, combien ? J'imagine l'application qui va gérer tout ça ? Oui. Alors, j'ai posé la question parce que je m'en doutais. C'est pas géré par nous, Infra, c'est géré par les développeurs. Donc j'ai demandé à Olivier Ziller, pour ceux qui le connaissent. Il a dit, ouais, non, c'est pas prévu pour et tout ça... Donc en fait, ça n'a pas été développé dans l'objectif d'être partagé. Néanmoins, on n'est pas fermé à ce qu'un établissement vienne nous voir en disant « Nous, on veut bien faire en sorte que l'application soit partageable. » Donc si, par exemple, toi, ton établissement il est intéressé, on peut vous transmettre le code actuel, mais qui est vraiment tu vois, brandé UL, sous réserve que vous, bah, vous fassiez en sorte de le rendre partageable. Voilà. Ouais. Non, c'est pas que Docker en fait, parce que c'est hyper lié à notre système d'information, donc il n'y a pas que du Docker. Ça tourne déjà sur Docker, je crois. Donc c'est pas que la partie système, c'est aussi la partie applicative. Quoi. Voilà, donc il y a du boulot à faire pour la rendre partageable, mais on peut le faire, on peut prendre le temps de voir avec un seul établissement du coup qui rende ça partageable, et puis après on voit pour ouvrir. Bon, moi j'étais le premier à demander.